Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung. Qu'est-ce que tu nous proposes comme milkshake ? Un petit milkshake à la framboise et à la vanille. Ça est super bon. À montre-moi. Voilà. Donc d'abord le liquide. Voilà. Alors là, on met du yaourt parce que ça amène de l'onctuosité, ça amène vraiment ce côté aussi un petit peu acide qui va très très bien laver la framboise. Quelques glaçons. Quelques glaçons. Le glaçon, ça amène de la fraîcheur et ça amène de l'eau aussi, ce qui va permettre d'avoir un milkshake hyper onctueux. Moi, je vais rajouter un petit peu de sucre. Alors, je suis occasionnel parce que j'aime bien, c'est un sucre pas trop raffiné, je trouve qu'il y a du goût. Mais on pourrait sans problème mettre un tout petit peu de liqueur de framboise ou un sirop de framboise. Après. Ah, liqueur, ça. Alors, la glace à la vanille. Ça, c'est vraiment pour la gourmandise. Voilà. On commence à mixer, c'est ça? Tac. Ça, c'est bon. Et là, maintenant, on termine. Par les framboises. Framboises fraîches ou framboises surgelées. Nous, on aime bien, même si c'est les framboises fraîches, les passer au congélateur. Voilà. Parce qu'on trouve que ça apporte de la fraîcheur, d'accord, à la recette. Voilà. Hop. Et là, on mixe très fort ça. Impeccable. Voilà. Fin de mixage. Et si c'est un petit peu trop épais, vous n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Hein. Pas de problème. Parce qu'il faut vraiment que le milkshake et la consistance que vous aimez. Voilà, c'est terminé. Une petite paille. C'est tout simple en fait. Ouais, vous avez vu ça? À déguster vraiment sans modération. Alors maintenant, c'est à vous.